Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Et yo tout le monde, ça se rejoint toute ma vidéo, on se rejoint une vidéo sur Padjum pour l'épisode 3. Et je vous remercie un maximum pour le dernier épisode qui a fait 6 likes, les gars. Mais vraiment, un gros merci à vous. Et je vais tout de suite vous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer par un peu de farm des livres. Comme vous avez fait 6 likes, normalement c'est 300 000 $, si je ne me trompe pas, oui, c'est 300 000 $. Et au lieu de farmer 300 000 $, je vais farmer 30 livres U3. Et tous les livres, je les vendrai pas tout de suite, je vais tout mettre dans un drawer. J'ai 32 livres P4 et je vais mettre les 30 livres U3 pour après farmer encore dans les autres épisodes pour tout vendre d'un coup. Et peut-être plus facilement tout vendre parce qu'on n'a pas réussi à vendre mon Yamaru. Et après on va farmer en un petit level de je sais pas quel métier, mais je vous dirai ça après. Et pour finir, un petit unboxing de seed en Angel. Mais de belles seed en Angel. De 2 stacks, je vais essayer de farmer 2 stacks. Les ouvrir. Et je vous dis bon visionnage pour la vidéo. Et voilà les gars, en fait, je vais juste vous montrer la base de fac qu'on a fabriquée avec la faction. Que merci Didi, Walou et un peu Dark Inky, je crois qu'ils ont fait la déco, mais vraiment j'ai déjà eu. Ici, je voulais vous présenter un peu, c'est la chambre à Didi. Voilà, Didi et Walou. Une petite chambre. Après, merci à Climate Games qui a fait ma petite chambre, une petite cabane vite fait, mais au moins, comme ça, je peux trouver du stuff. C'est un peu décoré. Faut pas demander trop, hein. Moi je veux juste une petite décoration, je veux juste vous présenter vite fait sa base. Il y a des lits, qu'est-ce qu'il a fait ici? Ouais, et je pense que je vais attaquer tout de suite le farm d'XP Berry pour les livres. Et je vous remets directement après la duplication des livres et le farm d'XP Berry. Je vous dis à tout à l'heure. Et re les gars, on se trouve juste après le farm des livres et on finit avec 30 livres de U3 comme prévu. 30 livres 3 ils sont formés. Après je vais peut-être en vendre quelques-uns pour farmer un peu d'argent pour avoir pour acheter des os à ZRF, le mec de la faction. Il a farmé, il va m'en vendre à peu près 1000 je crois, et pour farmer des graines dans un jump. Et après je pense que je vais farmer un level de hunter et je reviens peut-être pour le trade avec ZRF. Je vous dis à tout à l'heure. Et re les gars, juste après le level 16 de farmer, je crois que c'est le level 16 de farmer. Je l'ai passé, je voulais commencer à passer le level 17, sauf que j'ai abandonné, j'ai laissé tomber, j'ai laissé la farm aux autres. Là, juste après, vous aurez le moment où je vais passer la graine en jump. J'ai déjà fait ça, j'ai fait ça en avance parce que je pouvais pas faire la vidéo, farmer le farmer avant parce qu'elle était déjà utilisée la fin. Et je vous ai passé le level farmer. Et il est enfin 16, enfin level 16, et juste après vous allez voir casser le terrain dans le jump, vous allez voir le résultat, mais un peu déçu. Bah là vous savez déjà ce qu'il y a, mais un peu déçu parce que on avait fait quelque chose avec Humans qui était avec nous en recal. Et sauf que j'ai pas mettre le son parce que durant le rec, je suis énervé, il y a eu un écho, je suis totalement dégoûté. Prochaine fois, je vais essayer de pas avoir d'écho. Et je pense que je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et je pense que ça va être la fin de la vidéo après. Je vous dis bye à une prochaine vidéo.